Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action. On est du côté de Erstein aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Regardez sur quoi je tombe. Sur de nouveaux bougeoirs ovales. Alors on a un grand format en 37 par 27 et un moyen, on va dire, en 25 par 17. 13 euros, 6 euros. Et vous l'avez bien évidemment aussi en noir et doré. Pas mal. Donc là, c'est au rayon déco qu'ils ont montré ça. Dans la continuité, en fait, il y a les bougies. Et regardez, je viens de remarquer ces petites bougies qui font 12 cm de hauteur. On a un mix de couleurs. Hein, c'est des petites chandelles voilà, pour le repas à 2 euros. Ah, tiens, eux, ils ont encore les grosses boules comme ça à 4 euros. 10 par 10 par 10. Pour le reste, je crois que je vous ai déjà tout montré. Ça, c'est de retour. La cascade à encens, elle est de retour à 6 euros. Là, on a un nouveau diffuseur avec pierre de sel. Punaise, on n'arrête pas le progrès. Hein. 14 euros. Donc ça, c'est diffuseur de parfum. Vous avez fonction 1h, 3h, 6h. Et je pense qu'il y a en plus le bienfait du sel de l'Himalaya. On peut utiliser avec des huiles essentielles sur une base eau. Voilà, ça se recharge grâce à un câble USB. En tout cas, visuellement, il est sympa ce diffuseur. Il est à 14 euros. Finalement, il y a quand même pas mal de choses au rayon senteur. Par ici, dans les babioles, on a des toutes petites boîtes de rangement, mais genre minus. Hein. Elles font 5 par 5. Elles sont à 1 euro pièce. Vous voyez qu'on a différentes sortes en termes de motifs. On a celle-ci aussi. Allez, comme d'hab, je vais poursuivre sans ordre précis. Là, je suis tombée dans la cuisine. Et regardez, on a un mini hachoir, encore un. Mais genre, il est mini, mini, celui-là, à 7 euros. Et il est rechargeable. Ça, c'est tout nouveau. Vous savez que moi, je ne jure que par ce genre de hachoir maintenant. J'aime plus trop ceux qui ont les câbles. Voilà, 7 euros. Et comme on aime le mini ici, ils ont rajouté un mini blender à 13 euros. Alors celui-là, il est pas mal du tout. Il fait 500 ml quand même. On a deux vitesses. Et je vais juste checker, est-ce qu'on a un couvercle, vous savez, pour emporter? Non. En tout cas, encombrement minimal. On est à 13 euros là. Sympa. 200 watts en puissance nominale. Et ils ont leur machine à popcorn de chez George Wilkinson à 17 euros. 1200 watts. Donc du bon popcorn en 3 minutes. J'ai acheté un appareil comme ça chez Jiffy. J'en suis super ravie. Vraiment nickel. Service carré, 18 pièces, tout en porcelaine. Alors ici, il n'est pas ouvert, mais je l'ai vu dans un autre magasin. Franchement, elle est belle la vaisselle. Hein. Bon, 40 euros le service, à vous de juger ce que vous pensez du prix. Pour le reste du petit électro, je crois qu'on a déjà tout vu. Je vais continuer par ici en termes de vaisselle. Bon, je suis pas sûre qu'on va trouver quelque chose aujourd'hui. On a eu pas mal de nouveautés ces derniers jours, donc faut pas pousser. Hein. Non, pas de nouveauté. Ils ont aussi rentré ici le seau à champagne. Ça m'a fait rire parce que sur TikTok, il y a une jolie qui me dit « Ah oui, j'en ai pris deux directs. » Je me suis dit « Elle, c'est une fêtarde. » Ils sont à 16 euros. C'est des, voilà, c'est des seaux à champagne, rafraîchisseurs de bouteilles. 70 cm de hauteur, 21 cm de diamètre. Et je crois que la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai montré ceci aussi, qui vient d'arriver aussi. Vous avez en fait un set. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui est ouvert. Vous avez le petit saladier. Et la petite passoire. On est à 3 euros les deux, c'est du 15 cm de diamètre. Et bien sûr, vous avez différentes couleurs. Côté thermos, on a cette bouteille isotherme avec le mug à 3 euros, 65 centilitres, dispo en plusieurs couleurs. Bon, après, vous avez les classiques, hein. 1 litre en Tefal à 10 euros. Et la même chose, mais en marque Leclerc à 5,95. Leclerc, bien sûr. Action. Je crois que c'est déjà fini pour le rayon cuisine, on va aller voir ailleurs. Allez, je poursuis au rayon ménage, regardez. Éponge abrasive avec surtout le support qui est intéressant là. Ça coûte 89 centimes l'ensemble. Support silicone. Bon, après l'éponge, vous pouvez la changer, donc ça c'est cool. Il y a des jolies qui ont acheté là cette petite ce mini mop. En fait, ça m'a fait rire quand j'ai vu les vidéos. Je trouve que ça sert à rien, mais. C'est moi qui suis assez réfractaire à ce genre de gadget. Bon, en tout cas, ça coûte 3 euros. Si jamais, dites-nous si ça se trouve, c'est incroyable et je suis juste dans l'ignorance. Côté nettoyage sol, ici, on a le balai, le set balai. En fait, vous avez le balai avec des lingettes qui sont humides pour commencer en kit de démarrage. Ça coûte 5 euros seulement.
On a 8 lingettes sèches et 8 lingettes humides. À côté, on peut rajouter là des chiffons antistatiques si on veut, juste pour le parquet, les poils et tout. C'est les 20 à 90 centimes. Alors côté produit, tiens, je vais voir s'il y a des petites news. Ça, c'est toujours un vrai suspense. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas trop le jour hein, pour faire des nouveautés. Tiens, ici, ils ont du stock là sur celui-là, le bleu. Qui aime ce produit? Franchement, moi, je l'avais acheté à l'époque, il y a très longtemps. Hein. J'ai pas du tout aimé. Il y a le vert que j'ai trouvé pas mal, qui dégraisse assez bien, mais c'est pas non plus transcendant. Et le rose, bah, ils n'ont plus le rose en ce moment. Il sent bon, mais voilà, c'est pas la révolution des produits. Quoi. J'ai pas compris la hype non plus. Bon, et j'arrête de râler déjà. Et regardez, on a ici du papier toilette humide, 1,18€. Les 38. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour ailleurs. On a fait le tour ici. Je cherchais le rayon saison que je n'ai pas trouvé. En revanche, au rayon voyage, on a cette couverture de voyage 2 en 1 qui fait coussin à 7€, 1 mètre par 1,60 m. On a différentes couleurs. Ce qui est bien là, c'est qu'il y a toutes les accroches pour coller à la valise. Il y a des jolies qui partent en vacances prochainement, ça peut être utile. Et on a aussi le retour de ces petits organiseurs de valises qui sont vendus par 4 pièces à 4€. Là aussi, vous avez du gris, du beige. Et ça permet de, voilà, d'organiser ça, son bagage. Allez, je m'arrête au rayon alimentation. Il y a quelque chose qui m'a amusée ici, c'est le jeu de mots. C'est du thé à la pêche, graffiti. Voilà, 76 centimes les 500 ml. On salue quand même l'imagination pour ce jeu de mots. Par ici, tiens, on a du riz biryani instantané, 1,50€, 280 grammes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Écoutez, c'est un riz aux légumes avec des épices et vous avez juste à le mettre au micro-ondes pour 3 minutes. Voilà, ni plus ni moins. À côté, on a des nouilles façon kimchi à 80 centimes. Donc là, faut quand même allumer la plaque, mettre la casserole, un peu d'eau et réhydrater tout ça. Je voulais faire un petit tour à la beauté. Alors ici, on a le retour de ces coffrets Disney classiques là avec les bombes de bain à 5€. Voilà, il y en a combien? Il y en a 8 au total. 5€ le coffret. Et vous voyez, ce ne sont pas tous les mêmes. Celui-là, il est différent encore. On a également les individuels comme ça en stitch. Ils sont à 1€. Mais là, on a différentes sortes. Trop, trop mignon. Sachez que Stitch, c'est une saga là qui a un succès de fou. Allez, j'ai basculé au rayon jeu. J'ai trouvé des monstres créatifs déjà pour Lego à 8€. Il y avait pas mal d'arrivages de Lego. Hein. Je vous avais montré l'autre fois, on avait carrément toute une tour. Ici, on a les monstres créatifs en plus, c'est le même prix. Et on a l'arc-en-ciel couleur. Alors ça, c'est... Je sais plus, c'est où qu'on voit ça. Mince. Ouais. La boîte est vide. Vous savez, c'est les espèces de picots sur lesquels vous pouvez mettre vos mains. Alors, je ne sais pas si ça a un effet un peu détente ou autre. Ça coûte 3€, tout simplement. C'est une platine comme ça qui fait 10 par 10. Et je crois que c'est tout au rayon jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte ici, les jolies. On se retrouvera plus tard dans un autre magasin. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite simplement à la liker. Et je vous dis à plus tard. Bye les jolies.